ça. Ok, d'accord. Ah bah tu vois. 1, 2, 3. Fondée avec l'ambition de mener un grand changement dans l'industrie de la joaillerie en unissant le bien et le beau, avec vraiment l'ambition de pouvoir proposer une alternative écologique qui respecte la planète et les habitants de la planète. Et il faut savoir que les diamants et les mines de diamants, c'est les plus gros trous faits par l'homme sur la Terre. C'est un désastre écologique incroyable. Et aujourd'hui, il y a une alternative. Il y a de l'or recyclé, il y a des diamants de laboratoire, c'est possible. Pour Courbet, ça va être les deux. L'idée, c'est de réunir les deux. Il ne faut pas qu'on en sépare un de l'autre. C'est pas jouable. Si on n'arrive pas à faire le beau, on n'est plus Courbet, on est autre chose. Donc c'est pour ça que les deux doivent à chaque fois être ensemble sans faire de compromis ni sur l'un ni sur l'autre. Alors là c'est quelque chose, quand on a créé la marque, avec Marianne, on avait déjà une idée de créer un produit qui soit destiné à soutenir des actions sociales, solidaires. Et on a créé une collection qui s'appelle Let's Commit. Elle a créé une collection qui s'appelle Let's Commit, pour être plus exact, qui est quelque part notre best-seller. C'est ce qu'on vend le plus en quantité. Et depuis le début, on s'est dit, OK, chaque fois qu'on va vendre un Let's Commit, on va reverser 15% du chiffre d'affaires Action Enfance, que l'on soutient. Le co, c'est être ensemble, tout simplement. Donc c'est cette idée-là d'être toujours présent, d'être toujours là, tout le temps, ensemble, et de faire des choses, ben, certes, le ciel et l'eau sont différents, ils sont quand même ensemble. Moi, je suis enfant de famille nombreuse. J'ai 4 sœurs et frères. Et je ne peux pas m'imaginer la situation d'un frère ou d'une sœur qui soit séparé alors qu'ils sont dans une position vulnérable. Donc je pense que la mission de Action Enfance nous tient à cœur, Emmanuel et moi. À vous de jouer. Passer en mode action.